Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest 7. J'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, on s'était laissé ici, toujours à la baie d'Alvin. On ne change pas, décidément. La baie d'Alvin, c'est un petit peu notre best endroit, best place, si vous voulez. Donc, on avait fini enfin le truc avec les automates, donc Fort Watt et compagnie. Et du coup, alors apparemment, j'ai loupé un truc dans le passé, une petite scène avec Anton et Auton, je sais plus, et la princesse. Mais bon, après, c'est pas trop grave, hein, on s'en fout un petit peu. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le présent, parce que dans le présent, on va enfin pouvoir aller vers une autre destination demain. Mais on va pouvoir voir l'île du coup qui a émergé. On va prendre le bateau tout de suite, hein, on perd pas de temps, et du coup, on va voir un petit peu ce qu'il y a sur la nouvelle île. On va revisiter un petit peu tout, je pense, mais voilà. Et le truc dans le passé, la cinématique, bon, on s'en fout. À mon avis, je pense que ça va juste être un petit explicatif sur Mira, à mon avis, je pense. Allez. Oui. Alors, du coup, ici, est-ce qu'il y a des choses? J'ai pas l'impression hein, qu'il y ait des trucs différents. Il y a toujours la grotte. La grotte, on va aller plus tard. On va aller d'abord peut-être à Fort Watt. Bah, en plus, on est à côté. Fort Watt. Télu. Alors, Fort Watt qui n'a pas changé, hein, visiblement. Enfin, c'est toujours un château. Ouais. Le château, on ira plus tard. Du coup, moi, j'aimerais bien voir... Alors, je vais pas parler à tout le monde, parce que concrètement, perte de temps, et puis voilà. Donc, il y a l'auberge. Moi, tout ce qui m'intéresse... Regardez. Ce qui m'intéresse, ça va être de fouiller les trucs. Parce que je peux... Ah, mais je suis bloqué. Je peux peut-être récupérer des machins dans les armoires, par exemple. Vous savez que j'aime bien fouiller... piller, voler. Voler des choses, c'est cool, hein. Là, bah alors là, oui, oui, mesdames et messieurs, les armes. Boomerang, pour Filito, c'est vrai que c'est un peu mieux. Et ça touche tout le monde. La hache de pierre pour Raph, ou la lance de fer pour moi. Bah écoutez, en vrai, je vais peut-être me prendre une lance de fer. La place de l'épée de cuivre. Et toi, tu vends quoi comme armure? L'armure de carapace. Côte de maille, encore mieux. Ah bah écoutez, côte de maille... Une petite pour Kylian, en vrai, ça me paraît sympa. J'ai revendre des trucs, hein, ne vous inquiétez pas. Regardez, je vais vendre. Bah, l'armure d'écaille. Vendre ça. Et peut-être dans mon sac, je dois avoir des choses un peu nazes. L'armure de cuir. Bouclier de cuir. Je peux revendre mon épée de cuivre en vrai. Un pieu d'os. Je peux le revendre. Bouclier d'écaille, je peux revendre. Acheter, je peux acheter quoi de bouclier de bronze qui est mieux pour Kylian. Le homme de fer. Non, le bouclier de fer, pardon.
Bouclier de fer, c'est vrai que ça pourrait être sympa. En vrai, j'ai pas assez. Je vais garder un petit peu... un peu ma thune. Du coup, ici, ouais, je peux rien faire. On va fouiller un petit peu et puis on va aller vers la prochaine île, je pense. Quand même. Alors, est-ce que je parle à tout le monde, c'est ça le truc. Bon, déjà... voilà. On prend... évidemment... tout ce qu'on peut prendre. Véritable forteresse. Oui. Bon, il n'y a pas de fragment de tablette ici, mais je pense qu'on en aura plus bas. Un plus loin. Il n'y a rien à récup. Bande de radins. Étoile Dieu. Ah là-bas, il y a... que dalle. Super. Bon, je parle pas à tout le monde. Après, voilà, si jamais vous me dites dans les commentaires « Oui, mais t'as loupé une information importante », bah ok. Par contre, si j'ai rien loupé, bah dites-le moi aussi, hein, si j'ai rien loupé. Parce qu'en vrai, si j'ai rien loupé, c'est bien. À part de l'histoire, mais... j'ai tellement passé de temps ici que, en vrai, j'ai envie de changer d'air. Voilà. Un petit animal. Waf, waf. Non, pas par ici, le chemin... non, mais je reviens sur mes pas. Pas ça que je veux faire. Je crois pas qu'il y a d'autres trucs à fouiller ici. Il y aura le château, hein. Allez voir. Il y a quoi ici? Ah oui. Oui. Et oui. Mini médaille. Voilà. Non, mais. Ah. Voilà. Sérieux? On va le défoncer, hein. Regardez. Badabam. Il me fait mal, hein. Mais 270 pièces d'or, en vrai... bah voilà, techniquement, je peux aller m'acheter une nouvelle armure. Merci beaucoup, monsieur. Tiens, je vais m'acheter le carapace. Pour Fulito, ouais. Voilà. Pourquoi j'ai pris carapace? Attendez, je pouvais pas prendre un code de maille? Dites pas que j'ai fait l'erreur. Ah, si c'est ça, je suis deg. Bah si, mais purée, mais quel con. J'aurais pu prendre un code de maille. Pourquoi j'ai pris l'armure de carapace alors que j'aurais pu prendre la code de maille? En plus, en style, c'est beaucoup mieux. Ah, mais je suis deg. Ah, vous pouvez me traiter, là. Ouais, bah attendez, je vais vendre des trucs. je vais pouvoir me l'acheter, mais je... en fait, non, je vais pas pouvoir me l'acheter. Mais si, je vais trouver un truc à vendre. Dague divine. Ah là, le poignard empoisonné, c'est mieux. Bidule. Je vais pouvoir me l'acheter. Voilà. Comment perdre bêtement des sous? Eh ben, suivez mes conseils. Je me suis planté, en fait, c'était ça que je voulais acheter. Bon, bah c'est pas grave, écoutez, ça commence déjà. Voilà. Petit fail, bon après de la thune, on peut s'en refaire, on combat des monstres, c'est bon, je vais m'en refaire de la thune. Bon, bah concrètement, il n'y a plus rien à faire ici, à part visiter les trucs, mais... ouais, il y avait peut-être là, éventuel... comment on rentre par ici? Là, ici, on n'avait pas visité, mais... voilà, blabla, ici, c'est que du blabla. On a... ok.
C'est le meilleur. Ouais. Ok. Mais bouge, toi. C'est quoi si je regarde là? Ok. Bon, écoutez, on va aller au château. Ou peut-être d'abord aller voir Autumn. Qu'y a-t-il ici? Ah bah il y a un fragment. Tant mieux. Ah. Oh non. Pas de réponse. Myria. Ah, c'est Myria. Pas de réponse du maître. Aucun mouvement détecté. Température de la soupe extrêmement basse. Début de la procédure de réchauffage. Oh. Ah, c'est vrai que c'est un peu triste. En fait, son robot, il comprend pas que. Il comprend pas que. Ça. Ouais. En fait, son robot ne comprend pas que son maître est mort. Parce que c'est un robot. Besoin d'administrer la soupe chaude. Réveiller le maître. Ah oui, mais il est mort. Depuis le temps. Ah, c'est vrai que c'est triste. Pas de réponse, il n'est qu'un squelette. Bah oui. Il est mort. Pauvre robot. Il est mort. Ouais. Peut-être des livres. Non. Ok. Bon, il n'y a rien d'autre. Ma pauvre. Pauvre petite. Je suis triste pour le robot en fait. Le robot qui ne comprend pas. Que l'humain, bah, il est mort. Fragment rouge. Voilà, on a eu un fragment rouge. On va fouiller les alentours, mais. Ouais, il n'y a rien d'autre. Ben ouais, voilà, c'est un peu triste, hein. Elle est toujours en train de réchauffer de la soupe. Ah merde, elle va répéter. Ouais. Bon, écoutez. Voilà, c'est triste. Pauvre petit robot. Ah, il y a un fragment ici. Ouais. Bien, il est temps de mettre cela en marche. Enclenchez l'interrupteur si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça? Entends-tu? Et c'est. Ah non, bah ça doit être le petit-fils ou le. Je sais pas quoi. En faire une donation, ça ne va pas du tout. En bleu, il y a quelque chose qui cloche. Bah encore un échec à notre palmarès. Mettre au point un robot semble être un rêve tout bonnement irréalisable. Bah là, tu l'as fait réussi, ton ancêtre. Ou alors c'était un autre mec, je sais pas, parce qu'en fait, ils se ressemblent tous. Ouais. Manuel de mécanique pratique, ok. Oh, armure d'écaille. C'est là, je trouve un. C'est là que je trouve un. L'armure que j'ai achetée là. C'est un peu con. Vous êtes des voyageurs, n'est-ce pas? Ya! Alors, tendez l'oreille, écoutez bien. Comme vous êtes nouveau, sachez que la zone de l'ouest est absolument interdite d'accès. Personne, sans aucune exception, quelle qu'en soit la raison, n'autorise à se rendre jamais. Vous avez compris? Ok. On va y aller, hein, mais ok. Ok. Alors, coucou petit robot.
Ok. Là, ici, il n'y a rien. On va aller dans le château. Salutations, bande de gros nazes. Donnez-moi mon fragment, s'il vous plaît. Attendez, on va d'abord parler peut-être au roi. Sacrebleu, êtes-vous réellement en train de me dire que vous n'avez toujours pas mené à bien la tâche que je vous ai confiée? Est-ce donc là l'étendue des connaissances de tout le royaume? C'est pas du tout satisfaisant, c'est même un véritable déshonneur, ok. Roi Faraday 7. Oh, il a l'air de se la péter. Oh, 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 ne vous agitez pas ainsi, mon vieux. J'ai peur d'être le seul responsable, je vous présente mes excuses. Mes dernières demandes ont été somme toute excessives. Mais votre majesté, vous n'avez pas à vous excuser auprès d'eux. Cette bande d'ignards qui ont outrecuidance de se dire érudits. Non, j'en entendais trop de leur part. Ouais. Vous êtes ici pour saluer sa majesté, n'est-ce pas? Ouais, cependant... Et bref, voulez-vous. Ah, comme ça, nous avons de la visite. Je vous souhaite la bienvenue dans mon humble domaine. Vous arrivez à un moment le plus exaltant. Mes sujets font actuellement tout ce qui est en leur pouvoir pour placer notre royaume en tête de progrès technologique. Je vous laisse sur le soin de retourner auprès de souverains de votre nation en leur portant ce message. S'ils souhaitent marcher à nos côtés vers un avenir qui s'annonce prometteur, nous serons ravis de les accueillir et d'avancer ensemble afin d'étendre un paradis d'aisance et d'agrément. À ce propos, messieurs, vous pouvez retourner à vos recherches. Ok. Votre Majesté, reprenez-vous votre souffle. Oui, Votre Majesté, je vous apporte une nouvelle de plus haute importance. Ouais. On va découvrir un robot des temps jadis. Vous, ça alors, est-ce bien vrai? Tout à fait, Votre Majesté, je ne peux vous assurer que le doute n'est pas permis. On va en trouver dans la région qui se trouve loin à l'ouest du royaume. Et donc ignorer la sagesse des générations passées en vous rendant à ce sens désolé. Rassembler des troupes. C'est à vous, mes fidèles sujets, je tiens à ce que vous disiez personnellement l'endroit dont vous parlez. Ok. Mais c'était là où on a été? Des allers-retours, je pourrais m'excuser. Mais il y a des trucs. Vous voyez qu'il y a quand même des trucs. Je laisse soin de m'occuper des affaires du royaume. Il y a toujours des trucs, hein, que ce soit dans le présent ou dans le passé. Ici, tenue noble. Ok. On va essayer de trouver quand même cette tablette, ce fragment. Même si j'ai peur que ça soit une récompense. Bon, on verra, mais j'espère pas. Un petit chat, miaou. Miaou, voilà. Mais je suis bloqué. Une médaille. Bon, ça repasse pas à côté. Je casse ça. J'ai rien d'autre à récupérer. Non, je vais pas parler à tout le monde parce que ça va mettre 3 heures. Mais sans déconner, ça va vraiment mettre 3 heures. Donc voilà, je skip volontairement des gens. Après, c'est pas non plus. Je pense pas que je rate. Juste du dialogue comme ça, quoi. Non, mais je viens d'ici, moi. Salut. Ouais.
Ok. Où est mon fragment? C'est surtout ça hein, que je... Ah, attendez. On va sortir. Par ici? Ah bah non, il est parti. Un robot a été localisé, préparez-vous à partir immédiatement. Attendez juste un petit instant. Son Majesté, attendez, vous ne devez pas vous rendre là-bas, vous ne pouvez pas. Que t'arrive-t-il? Nous avons enfin découvert l'un des soldats mécaniques. Devenu la réalité, tu verrais te réjouir. J'aimerais vraiment pouvoir vous expliquer, je vous l'assure. Hélas, je ne peux pas vous demander d'annuler. Je ne peux que vous demander d'annuler l'expédition. Aurais-tu perdu la raison, mon pauvre? C'est mystérieux. Oh non, je devais passer par là, à l'autre côté. Veuillez m'excuser, pouvez-vous m'accorder un instant? Le cap qui se trouve à l'ouest du château est considéré comme un territoire désolé depuis des siècles. Personne autorisé à y pénétrer sous aucun prétexte. Mon devoir de vous assurer, l'interdiction d'y pénétrer est respectée. Pourriez-vous rattraper le roi? Ouais, mais à l'ouest, hein, donc moi, à l'ouest du château. Ça dépend comment il se place, mais... Non, mais attendez, j'aimerais bien... voir la petite dame de l'autre côté, mais... Voilà, je dois passer par là. C'est un labyrinthe, hein, les châteaux, c'est un truc de dingue. Et je dois descendre. Mais de l'autre... Je dois passer de l'autre côté. Évidemment, hein, parce que sinon c'est pas rigolo. Pour sortir là. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il faut faire? Avez-vous pour entretenir le roi? Oui, Fabuleux, je suis certaine qu'il est ravi de vous rencontrer. Je vais devoir dire à son tuteur Ambroise que de le mettre en garde contre les dangers qui peuvent se présenter. Ouais, ok, c'est tout. Comment j'accédais déjà de l'autre côté? Je me rappelle plus. Ah bah si, là. Moi, je veux descendre. Bordel de zut, de flûte zut. Le fragment est là. Voilà. On a récupéré un fragment vert, c'est cool. Je suppose qu'il y en a encore un à récupérer, de fragments. Décidément, j'ai l'impression que dans cet épisode, je vais même pas pouvoir aller dans une autre île. Ça me rend un peu triste. Vraiment. Très, très, très triste. Triste, malheureux. C'est beaucoup trop long. Mais regardez, c'est horrible tout ce qu'il y a à faire. Ah, et puis pour sortir d'ici, c'est une plaie pas possible. Faire tout ça. Que là, bah oui, évidemment, je peux pas sortir par là. Je peux juste casser des trucs. Chose que je vais faire quand même, hein, voilà, je casse des trucs. Je vais même pas aller voir le mec en haut, en vrai. Et puis pour l'autre côté, c'est pareil. Amusons-nous. Bouge. Pampé. Là, ici. Mais ouvre ta porte. Voilà, 2 pièces d'or. C'est nul, 2 pièces d'or, mais... Voilà, ok. Allez, on va aller à l'ouest du coup. Ah, à mon avis, ça doit être le mec des mini-médailles ici. Un truc comme ça. Lac... Ah non, même pas. Lac de piété. Alors, attendez, je fais juste le tour.
Un petit chat, miaou. Ça fait une éternité que j'attends la lumière qui baignait jadis, c'était. Ah, PTV, non, un jour je viendrai rempli de voix. Avec les ruines dans lesquelles repose votre puissance seront mises à jour. Quand la pierre sacrée dont je parle, la légende, a repris sa place ici, je saurai le moment venu. Quoi? C'est pour la suite, ça, je pense. Ouais. Bon, à mon avis, ça pue la suite, ça. Bon, alors, attendez, on va aller... dans la... grotte, du coup. Bonjour, mon cher, si vous souhaitez connaître votre avenir... Ouais, vas-y, fantastique, allons-y. Ça y est, je suis presque... plutôt singulier, je ne parviens pas à distinguer quoi que ce soit. Ok. Ok, c'est super. C'est super. Du coup, ils sont venus ici. C'était là, je crois. Hop. Ils ont dû aller tout en bas. Oh, il y a des trésors ici. Évidemment. Hop. Oui, allez, va après les monstres. Je vais me soigner hein, quand même. Mine de rien, j'ai pris un peu cher. Hop. Voilà, 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 voilà. Et ici, dis-moi qu'il y a un truc. Une graine de force. Je vais pouvoir utiliser toutes les graines. Je vais pas le faire maintenant parce que c'est un petit peu... je le ferai plus tard. Voilà, fin. Bon, c'était là le chemin, non? Ah non, mais attendez. Yop, hop, 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 hop. Et peut-être un truc là-bas. Eh. Eh oui. Une médaille. Tu l'as eu. Voilà. Et. Ok, un coffre vide. C'est bien aussi. C'est mieux qu'un monstre. Bon, je vais le faire en accéléré. Hein. Écoutez, c'est... parce qu'on met toujours 3 plombs. Regardez l'animation qui met 3 heures. Y'a rien. Hop. Alors, c'est ici le fameux truc. Bah non. Bah. Sur les dans la région de l'ouest. Oh, y'a un coffre. Bah, c'était où? Non. Voilà. Oh, griffe de fer. Ça, c'est pas mal. Mais, attendez, là, il y a... C'était... Comment ça? C'était pas ici? Ne me dites pas que... Il va refaire son speech. Bah, ouais. Mais ils sont où ces cons? Territoire de... Tout à l'heure je suis allé. Et je suis sorti, il n'a rien dit parce que j'ai pas parlé au robot. Ignorer, saluer, strictement... Il est impossible d'empêcher les voyageurs de s'égarer, ouais. En outre, je serais pas surpris que le vieil Ambroise vous envoie. Les gentils, veuillez vous écarter. Il serait dommage que vous ou Ambroise subissiez le moindre désagrément. Un
authentique robot. C'est vrai qu'ils sont en vie. Pleinement opérationnel, j'ai peine à croire. Stupéfiant, absolument stupéfiant. Cette espèce humaine en parfait état est une véritable aubaine pour l'avancée de nos recherches. Garde, veuillez escorter notre compagnon mécanique. Il n'y a aucun cas permis de le malmener. Il me fait bien comprendre qu'il s'agit d'un trésor national. Entendu. Allez, n'aie pas peur, viens, nous t'emmenons à un endroit qui peut te plaire. Le maître est immobile. Besoin d'administrer la soupe. La soupe révérera le maître. De la soupe, dis-tu? Si c'est ce que tu désires, nous avons plein chaudron au château. Allez, viens avec moi. Soupe fraîche nécessaire. Source potentielle identifiée. Analyse en cours. Voilà donc l'homme qui est à l'origine de tout cela, ou du moins ce qu'il en reste, le visionnaire, le génie de la mécanique lui-même. J'espère que vous n'avez aucune objection à ce que l'on tente de perpétuer vos prouesses. À dire vrai, nous ne sommes que des nains sur l'épaule d'un géant. Ouais, mais... pauvre robot. Il semble que nous serions bientôt en mesure de faire la lumière sur les siècles de notre passé qui restaient encore dans l'ombre. C'est un moment charnière dans l'histoire de notre royaume. Ah, ok. Rigole comme hein. Eh bien, Ambroise ne va pas être content. On doit trouver le roi. Bah oui, mais le château. J'en ai marre des allers-retours, sans déconner. En plus, on met 3 heures à hein, chaque fois. Je vais passer l'épisode à faire ça. Alors, je suis toujours au même endroit. Mais dans le présent, mais je suis toujours au même endroit. J'en ai marre. Bordel de... zut. J'espère que je vais pas devoir aller là-bas, hein, dans la grotte. Hein. C'est mort. Bien, si nous commencions. Tout à fait, ne perdons pas un instant. Voilà, nous pensons que c'est cette protubérance qui permet à la machine de se tenir sur les deux jambes. Nous essayons de la détacher pour constater le résultat, il s'agit entendu de servir les intérêts de la science. Absolument, je ne vois pas d'inconvénient. Votre Majesté, je dois vous demander de mettre un terme à cette barbarie immédiatement. Nous devons laisser Myria retourner chez elle. Myria, alors comme ça, cette machine a un nom, Ambroise. Voilà qui est fort intéressant. J'ai le sentiment depuis quelque temps que tu en sais davantage sur ce que tu veux bien dire, mais c'est la seule chose qui pourrait expliquer la raison de ton affolement quant à notre petite expédition. Je suis désolé, mais tu me laisses pas le choix qu'on appelle la garde. Mais votre majesté, je veux dire, tout de suite, votre majesté. Garde, garde. Donjon. Ambroise, votre majesté, êtes-vous sûr, majesté? Remettriez-vous en question les ordres de votre roi, soldat? Sache que cela me chagrine énormément, Ambroise, mais c'est la seule chose à faire. Je dois te faire patienter quelque temps au calme. Nous devons passer les mystères de ce robot. Ces informations capitales que tu sembles me cacher, je m'entretiendrai plus tard avec toi à ce sujet. Je comprends, vous faites qu'obéir aux ordres, allons-y. Bon, et nous alors? Un instant, je vous prie. Il ne sera pas nécessaire de l'enfermer, la situation est déjà suffisamment délicate. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, entendu? Très bien, votre majesté. Si j'avais le choix, j'aurais préféré que vous n'ayez pas assisté à la scène. Ambroise me cache quelque chose. Ce
qu'il a en revanche, c'est que notre avenir est entre nos mains. Oui. Ok. Sérieux, je dois aller au donjon. Mais c'est où? Où c'est? Bordel. Sans déconner, je vais devoir rechercher le donjon. Oui, c'est là. Oh, merci. J'aurais pas dû vous mener à tout ça, mais comme vous êtes désormais impliqué, je crains. Vous savez, mon seul espoir, plus je vous permets de vous importuner. Ouais, vas-y. Il se trouve que Myria a été créée par l'un de mes ancêtres, un homme répondant au nom d'Anton. La pauvre petite n'a jamais réussi à comprendre le fait qu'il soit décédé, et elle fait de son mieux pour continuer à s'occuper de lui pendant des siècles qui se sont écoulés depuis sa disparition. Lorsque je l'ai vu ainsi, j'ai compris la situation, je me suis solennellement juré de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas perturber ses habitudes. Pourquoi j'ai besoin de votre aide? Nous devons ramener cette bonne Myria dans le seul endroit qui lui est familier, à savoir chez elle. Elle n'ira nulle part tant qu'on ne l'aura pas remise sur pied, et cela ne risque pas d'arriver sans son composant vital. Sauf que j'ai une pièce de rechange qui pourrait fonctionner à Fort Watt. Nous demandons si vous pourriez aller chercher ma petite fille. Non. Oh non. Oh non. Mais c'est vrai que bordel, qu'est-ce qu'ils ont. Parce que là, je suis qu'au début. C'est ça le pire, c'est que je suis qu'au début. C'est toi la petite fille. Comment, vous l'avez vu? Un portier à rechange spécial, hein. Je regrette, je vois pas du tout de quoi. Ah, suis-je bête, vous parlez sans doute de son trésor. Dans un endroit hyper secret. Enterré sous un tonneau près du ruisseau. Il suffit de creuser. C'est où? C'est... là. Ok. Oh purée, en plus maintenant ils sont plusieurs. Allez, ouvre. Mais père, je ne comprends pas pourquoi diable t'être opposé à la volonté de sa majesté. Car vois-tu, mon cher Théophile, ces deux âmes en peine ont le droit d'être en paix. Une question de décence. Tu dois comprendre que les choses ont changé et que... ah, c'est vous. Écoute-moi, père, je ne comprends pas que tu... je comprends ce que tu éprouves, mais tu dois arrêter de te mêler de cette histoire, suis-je suffisamment clair? Ben oui, mais... c'est d'avoir accès aux requêtes de mon père. Ok, ok. Ah, vous m'avez apporté ce que je vous avais demandé. C'est pourtant des liens hein, que je puisse réparer. Hein, je devrais pouvoir remettre mes restes sur pied. Parce qu'ils ont emmené Myria au laboratoire près de l'entrée principale du château. Si vous promenez vêtu ainsi dans le château, vous serez capturé immédiatement. Ok. Il serait vraiment impoli de ma part de refuser cette offre aussi aimable. Semblez vous porter à merveille, Ambroise. Ouais. Ah, devoir vous demander une nouvelle fois, et si nous nous remettions en route? Oh, purée, sans déconner. Alors littéralement, il a fallu 2 minutes juste pour que le mec me dise « Je viens, on y va ensemble. » Vous pouvez pas juste faire une coupure et on arrive directement à l'endroit. En fait, c'est limite pareil, hein, en fait. Ah, je suis un peu triste. Vous tombez à pic. Vous arrivez au point nommé. Je me disais justement que
Si je ne mangeais pas quelque chose très rapidement, je finirais par m'effondrer. Tous mes collègues sont partis, voyez-vous, et ne me semblent pas enclins à revenir bientôt. Veuillez excuser mon impertinence, mais je vous serai très reconnaissant, vous pouvez surveiller cet endroit. Oui. Allez, barre-toi. Bon, par contre, ils auraient pu faire un effort, le mec il ressemble pas du tout à... Ambroise, il ressemble pas du tout là. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma pauvre? Ouais. Allez, mets ton truc. Ah, regardez, il est plus petit. Plus petit et plus gros, c'est n'importe quoi. Tu seras très vite réparé. Vrooms. Température de la soupe extrêmement basse. Je dois localiser mon maître. Recherche en cours. Maître localisé. Le maître doit retourner au lit. Le maître est très malade. Attends, juste une petite minute. Je crois que tu te méprends, ma pauvre petite. Je ne suis pas ton maître, petite sotte. C'est le vieux Autumn. Maître est malade. Il doit retourner au lit. Écoute-moi, Myria. Tu es toute chamboulée, mon enfant. Je t'assure que je ne suis pas celui que tu crois. Myria, je dois insister pour que tu cesses cela immédiatement. Ton maître n'est pas parmi nous. Ne t'avais-je pas expressément défendu de quitter le donjon, Ambroise? Que diable fais-tu donc ici? Le maître est très malade, il doit retourner au lit. Il doit prendre de la soupe. Ouais, ça alors, Ambroise est en danger. Certaines machines sont sur le point de le frapper. Je ne te laisserai pas faire. Attendez, garde, baissez vos armes. Elle n'a pas du tout en train d'attaquer. Vous n'entendez pas? Baissez vos armes. Myria, Myria, tu m'entends, ma pauvre petite Myria? Non, bon sang, vous l'avez mise en pièces. Ambroise, pardonne-moi, tu n'es pas blessé? Ma pauvre Myria. Ton ami mécanique n'était pas en train de t'attaquer à l'instant. Je crois que cela est clair pour nous deux. Tout à fait, votre majesté. Il semble qu'étant vieille et pour le moins troublée, elle t'est confondue avec son maître qui a servi pendant tant d'années. Je te présenter mes excuses, Ambroise. Je comprends désormais la raison pour laquelle tu tenais tant à défendre cette créature. Cette machine, non, est désormais claire. Il ne s'agit pas d'une simple machine. Cette fidèle servante est bien plus pour nous. Ah, bien plus pour nous. Hein, quoi? A plus pour nous. À nous apprendre, pardon. En ce qui concerne la dévotion et le sacrifice, son vivant, que sa caresse ne. Que sa carcasse purée. Non, mais c'est le soir, hein. J'en peux plus. Que sa carcasse ne pourrait nous enseigner tous les secrets de la mécanique. Ambroise, peux-tu la réparer? Saurais-tu remettre Myria en état de fonctionner? Oui, votre majesté, je crois. Très bien, garde, je vous demande de la ramener chez elle, sans perdre un instant. Tout de suite, votre majesté. Est-ce que c'est fini? S'il vous plaît. Mais et là, ils savent le faire, la cinématique. Je me suis déplacé en cinématique. Pourquoi ils l'ont pas fait tout à l'heure? Je ne sais pas. Pourquoi? Voilà qui devrait faire l'affaire avec ma petite. Essaie de te mettre debout. Vroom. Le maître est endormi. Administrer de la soupe. Son maître revenu à la normale. Présente mes excuses à vous tous, particulièrement à toi, mon vieil Ambroise. Et j'ai poursuivi aveuglément mon rêve sans penser à la peine que mes actions ont pu causer aux autres. Il me permet néanmoins d'ajouter que je ne pense pas m'être favorisé dans l'objectif que je m'étais fixé. Même si je reconnais qu'il vaut mieux laisser Myria tranquille, je m'engage toujours à créer des robots bipèdes parfaitement fonctionnels. Mais nous ne ferons pas cela au détriment des autres. Nous atteindrons cet objectif à force de labeur et de diligence. Qui sait, Myria? Peut-être aurons-nous bientôt un nouveau compagnon à te présenter. J'espère que ceux que nous parviendrons finalement à mettre au point feront preuve d'autant de bonté que toi. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, vous savez. Vous ne faisiez
que passé et c'est moi qui vous ai entraîné dans toute cette histoire. Oui, c'est... Oui, espèce de gros connard, oui. Tu m'as fait perdre 50 minutes, là. J'aimerais vraiment que vous passiez me voir chez moi avant de partir. Ton cœur, merci. Chez toi, où ? Espèce de con. Et voilà, Myria, tout est bien qui finit bien. Voilà. Il va certainement me donner un truc, donc je vais y aller. Et c'est où chez toi ? C'est ça ma question, en fait. Il est où le vieux, là ? Ah ben... Ah voilà, splendide, bien, faites comme chez vous. Elle se devait parfaitement dérouler avec Emeria et retourner chez elle. Elle s'occupe de son maître bien-aimé. Pas venu sans votre aide. Ok. Merci infiniment, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi et pour nous tous. Youpi. Alors, après votre départ, je voulais savoir si... Pas un trésor enterré dans le coin. Alors je me suis mis à creuser pour voir ce que je pouvais trouver. Mais tout ce que j'ai réussi à dégoûter, c'est ce vieux morceau de pierre. Tenez, prenez-le. Merci. Merci. Non, pas grave. Ok. Voilà, c'est super. Voilà comment perdre du temps, évidemment. Allez, je me casse. Maintenant, c'est bon, j'ai fini. Voilà, tout ça, concrètement, j'ai passé un épisode, encore, ici. Bédalvin, je vais quand même mettre les trucs, sauf un, parce que sinon ça va m'emmener, là je vais pas le faire maintenant, je vais faire la prochaine fois. Franchement, je pensais faire la suite, mais je peux même pas faire la suite parce que j'avais besoin des morceaux de tablette et j'étais obligé de faire tout ça juste pour avoir mes morceaux de tablette. Sans déconner, c'est long. Et puis, encore ça serait long, mais ça serait long, mais... Après, c'est de la 3DS, d'accord, mais le jeu est lent, quand même. Pourquoi je vais là? Non, mais en fait, non, c'est pas là que je vais. Attendez, hop. Le jeu est lent, même dans les déplacements, dans les trucs, c'est vrai que c'est... Ça reste quand même assez long comme truc. Les déplacements, les cinématiques, ils se déplacent comme des camions, les personnages, et puis il faut bien que tous les personnages avancent, et puis après, tous les personnages partent, et voilà, ils se tournent comme ça. C'est... Non. Bon, allez, mon gars. J'ai du vert et j'ai du rouge. Ah ouais, bah c'est les deux prochains. Ok. Bah écoutez, je vais déjà mettre ici. Et lui, je vais pas le mettre parce qu'on ira la prochaine fois. Donc... Le gros rouge, ok. Je vais quand même mettre... Le... Vert, quelque part. Ici. Ok, non, pas là. Bon, bah là, alors. Ok. Voilà, donc on met déjà ça. Donc, à mon avis, ça sera la prochaine destination. Mais du coup, enfin, celle d'après. Mais du coup, la prochaine, c'est rouge. Ok. Non, je me casse. Allez. Oui. Oui, mais voilà. Laisse-moi tranquille. Décidément. Allez. Je me casse. J'en ai marre. En plus, 20h40, je veux manger. Je veux manger. Me poser, moi demain je travaille, tout ça, voilà, donc écoutez, je me casse. Et décidément, franchement, ce jeu-là, faut le faire en live. Mais je peux, mais pour l'instant, voilà, il faut encore que je pourrais mettre les trucs et tout, j'ai pas encore regardé quand est-ce que je pourrais, parce que je pourrais pas tout en live, hein, vu que je travaille, mais voilà. J'aurais pas le choix. Allez, je vais m'arrêter là, je vais sauvegarder. J'espère que cet épisode vous aura plu, même si je pense que vous allez pas kiffer, mais voilà, hein, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis, nous, on se retrouve quand? On se retrouve bientôt, hein. Bientôt pour la suite, du coup. Normalement, lundi? Non, attendez. Je suis quand mes trucs?
Ouais, samedi. Normalement, samedi, donc oui, on verra samedi, du coup. Bon, je suis plus hypé à tourner RE4, hein, vous vous en doutez, quand même, parce que c'est pas si long. Mais bon, j'aime bien quand même, hein, mais... Je me souvenais plus que c'était aussi long, donc... Donc voilà, allez, on sauvegarde ici, et puis on s'arrête là, et puis bah, commentez, tout ça, les likes, les partages si vous voulez aussi, n'hésitez pas, ça serait bien, en plus on n'est pas loin des 5000 abos, donc ça serait bien, voilà, de m'en ramener un peu d'abos, bref, allez, et de vous abonner aussi, évidemment, du coup, voilà, et on se retrouve pour la suite samedi, normalement, si j'ai le temps, voilà, bref, allez, à la prochaine, salut!